tesis, ¿no? Al final dice, todo ello no desmerece. Como diría la ley catalana, no sé, artículo 2, bueno, hay algunos desmerecimientos que yo además asumo y conozco incluso algunos, o de algunos de ellos ya era consciente. Yo además no he entrado en plantear los paisajes del país de Galicia, sino que he planteado ya los resultados. Ahora, yo sí que quería diferenciar, por un lado, en cuestiones de concepción, en cuestiones de precisión y en asunto de errores. Que no tengan valor de mercado, pero que sean compatibles. No es defender a un ICO, pero sí es plantear algunas cuestiones que tienen que ver con pero también nos ocupamos de preguntar a los agricultores, a la escuela regional francesa, aquellos que deberían producir a un enfoque más sistémico, aquellos que contestaban diciendo que de eso no se por convicción y por práctica. Efectivamente, la ley de protección de paisajes de Galicia pues fala de pactos. Probablemente la escala y los recursos con los que hemos trabajado, no recursos económicos, que de eso no hablaríamos, sino los recursos cartográficos de capas, en definitiva, lo que tiene el Atlas es una única capa con bases de datos asociadas a la taxonomía, no se pudo contar con más. Yo creo que en la concepción estamos de acuerdo, en principio estamos de acuerdo. Que hay que tener medios financieros. No me gustaría, para fabricar, porque para no me guste, porque creo que no responde a la realidad, que yo estoy en el ámbito de lo regional francés más clásico y enfrente está el enfoque más integrador o sistémico. Yo creo que se resuelve de la manera en que se puede, análisis con convicción de ese enfoque. El tema. Dos rondas, el tema de la precisión es importante y tiene que ver con la escala y con las bases de datos y con el conocimiento y con el tiempo de trabajo. Efectivamente, sobre todo con la escala. Yo por eso no he podido evitar, cuando estaba planteando el Atlas de los paisajes de España y salía el Valle del Nansa, y en el Valle del Nansa hemos trabajado un realista, plausible dentro de la reforma actual de APAC, Ibra sobre el Atlas de los paisajes, y no sobre la escala en la que los procesos ecológicos y sociales, el acceso al conocimiento de fuentes básicas y de toda la legislación que se puede poner en juego. Y en ese sentido, se acaba de ver aquí que tiene el Atlas, que por otra parte también puede ser un valor. En determinadas terrazas o en costas puede generar un valor engadido de la diversidad de un territorio, de un Estado. Por eso yo he entrado en el norte y por eso he entrado en el Valle del Nansa, porque yo era producir leite cada vez más en determinado tipo de pastos o paisajes puede generar también externalidades positivas que valoricen más esa producción. Efectivamente, yo, sin duda ninguna, porque si estamos hablando de castiñeiros donde puedan darse, estamos hablando de una producción de marrón y otros asuntos de cómo y de otro tipo de productos asociados que también se beneficiarían de ese tipo de externalidades. Y por y desde armonía luego, como con el tratamiento de valles en otras zonas de la península, se le dio entrada. No hay más impulso, quiero decir, de turismo rural. Donde yo se puedo decir, pero vamos, no es porque estemos en Galicia y esté con dos especialistas, que de los mayores quebraderos de cabeza fue abordar la diversidad de los paisajes de Galicia. De manera que si a eso sumamos que los agricultores también son conscientes de que estarían proveendo valores de no mercado, valores de conservación de la biodiversidad, de uso gratuito, porque muchas veces es difícil evitar el acceso. Eso no solventa ni las cuestiones que implica la escala, que ni comprobamos que los agricultores, los presidentes de montes vecinales y Mancomún, que son las explotaciones forestales más viables que contamos con el país, pues habría una voluntad para, en los términos que decía Pierre, adaptarse, combinado con reemplazarse por otros nuevos gestores del territorio que mantuvieran un programa de este tipo. Pero claro, eso tiene un precio. El precio mínimo era percibir o menos 300 euros por hectárea de esa gestión adaptada a demanda por los beneficios herados, desde luego, no por 10 o 15 años, sino una renta que cubra todo longo periodo para especies de paisaje de Galicia que me habéis brindado. En esta dirección, hombre, eu, si falei, se que sea tan esencialmente do proxecto de lei galega, pois voto en falta que, por exemplo, un capítulo 5 como ten a lei catalana donde se fala de financiación do que é a protección da paisaxe. Cando o proxecto que eu leín da lei galega non aparece. Ou medida, como por exemplo a medida do artigo 8G da lei catalana, que permite adquirir solo para incrementar o patrimonio público. Bien. Imos entón continuar. Agora temos connosco no Consello da Cultura a Pierre Donadier. Pierre Donadier, como sabedes, agrónomo, xeógrafo, profesor titular da École Nationale Supérieure de Paysages de Versalles,
investigación asociado del Instituto Nacional de Recherche Agronómique de la Unidad Mixta de Investigaciones en Ciencias de la Acción y en el Desarrollo de París. Pierre Donadier es uno de los fundadores de la mítica Escola de París, esa Escola de París que a ellos no les gusta hablar de École de Paris, porque ellos son todos muy distintos, pero que pienso que desde fuera se ve como tal Escola de París, una escola que al comienzo de los años 90 formóse alrededor de Villette, de la Escola de Arquitectura de París, alrededor de la figura del arquitecto Bernard Lassus, Alain Roger, Augustin Berg, Yves Lugimboul, Pierre Donadier, entre otros, formaron esa escola de pensamiento interdisciplinar que converteuse cos anos nun referente internacional por ese talante interdisciplinar. Pierre Donadier dirige el Laboratorio de Investigaciones de la École Nationale Supérieure du Paysage, es responsable del Máster Teoría de Proyecto de Paisaje de la Universidad París I, Panteón Sorbona, y entre otras cosas, ha publicado numerosos libros como La Société Paysagiste, que ya tenemos en castellano, aunque editada por la Universidad de La Plata, de Argentina. A su labor vinculada con la École de Versalles es muy importante y es recomendable para los presentes, si no os sabedes, a publicación titulada Le Carnet du Paysage, la revista de la École de Versalles, una revista maravillosa en todos los sentidos, interdisciplinar, desde un punto de vista gráfico muy bien documentada, con artículos de filósofos, agrónomos, geógrafos, en fin. Deixo vos a todos con Pierre Donadier. Gracias, Pierre. Merci, Federico. D'abord, je voudrais m'excuser de ne pas pouvoir parler dans votre belle langue. Malheureusement, je ne l'ai pas appris suffisamment tôt. Je voudrais aussi remercier tous les organisateurs de m'avoir invité à ces débats, à ces réunions tout à fait intéressantes, passionnantes. Alors, je vais essayer d'apporter ma contribution en répondant en fait à une question difficile, à une question que je vais nécessairement schématiser, que je vais caricaturer, et la réponse aussi, évidemment. Vous avez compris, je pense, depuis hier, que les politiques publiques de paysage se mettent en place en Europe, dans la plupart des pays d'Europe qui ratifient la Convention de Florence. Vous avez compris aussi qu'avant cette convention, chaque pays avait une législation, avait des lois, avait des règlements qui permettaient surtout de protéger les sites remarquables, les sites historiques, les sites d'identité nationale. La Convention européenne apporte de nouveaux éclairages par rapport au projet européen et donne la possibilité d'utiliser la notion de paysage de façon très différente des situations antérieures. Donc, ce que je vais essayer d'analyser, c'est quelles sont les conséquences des politiques publiques de paysage. Que ces politiques soient des politiques de conservation, de restauration, ou des politiques d'invention ou de création. Comment ces politiques, enfin plus exactement, quelles conséquences ces politiques ont-elles sur les paysages ruraux, et en particulier sur les agriculteurs, qui sont aujourd'hui des acteurs tout à fait déterminants, car s'ils sont de moins en moins nombreux, ils occupent toujours une très grande place dans les campagnes, aussi bien en Espagne, en France et dans les pays du Nord. Donc, je pose la question, les sociétés rurales d'Europe ont-elles accepté les politiques publiques paysagères qui les concernent directement dans leur travail, dans leur activité,
dans leur production. Ce que je vais montrer est assez simple. Je vais montrer que ces sociétés rurales ont accepté progressivement, lentement, ces politiques, mais en se transformant. C'est-à-dire que les sociétés agraires d'autrefois ont pratiquement disparu des campagnes, car pratiquement ces sociétés ne produisaient pas le paysage pour lui-même. Le paysage était un sous-produit de l'activité de production agricole. Donc cette période historique est pratiquement terminée dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, ce qui se dessine, c'est de produire les paysages ruraux, périurbains, urbains, littoraux, montagnards, non pas comme des conséquences imprévisibles de l'activité agricole, mais comme des produits voulus, intentionnels, de projets de territoire. Donc le paysage devient, dans ce cadre-là, un outil politique. Donc je vais essayer de répondre à la question que j'ai posée. Les sociétés rurales ont-elles accepté les politiques publiques paysagères qui se mettent en place aujourd'hui? Ce que je vais montrer est donc relativement simple. Comment est-on passé d'une société qui ne produisait pas les paysages intentionnellement pour être regardée par d'autres à une société qui va intégrer dans les projets territoires des conceptions, des interprétations, des souhaits, des désirs de paysage comme cadre de vie et comme cadre d'activité économique. Donc, voilà ce que je vais démontrer. Donc, dans la plupart des pays d'Europe, aujourd'hui, il y a une production de plus en plus encadrée par des textes juridiques, par des directives européennes, par des conventions qui sont ratifiées, et en particulier par les textes de la politique agricole commune. Ils concernent en particulier les céréales et les oléoprotéagineux, donc les colzas, les tournesols, etc. Il y a d'autres productions, comme les fruits, les légumes, les fleurs, qui ne dépendent pas de la réglementation de la politique agricole. Ce qui se passe depuis pratiquement 3 à 4 années est que dans toute l'Europe, les aides de l'Union européenne sont désormais dissociées de la production. Elles sont dissociées, cela veut dire qu'il n'y a plus de. Il y a simplement le prix du marché mondial qui est pris en compte et que par ailleurs, les exploitants agricoles, sur la base des déclarations anciennes, perçoivent des subventions pour produire des services ruraux. Produire des services ruraux, notion qui n'était totalement inconnue. Quels sont ces services ruraux? Ce sont des services paysagers,
sur le maintien, l'entretien des paysages. Ce sont des services environnementaux sur la qualité des ressources naturelles, de l'eau, des sols en particulier, et services d'accessibilité. Donc dans la mesure où aujourd'hui les campagnes européennes deviennent de plus en plus accessibles au public. Un peu comme si toutes les campagnes européennes devaient devenir de vastes parcs de loisirs pour les citadins qui sont aujourd'hui tous concentrés dans les villes. Donc les politiques publiques paysagères vont avoir comme effet de mettre en espace public des territoires qui sont pour l'essentiel privés et destinés à la production agricole. Cela veut dire que les aménités, c'est le mot en anglais, amenity, que les aménités qui n'étaient pas produites par ces agriculteurs spécialisés dans un produit ou un autre, vont désormais être intégrées et rémunérées par le collectif européen. Voilà le grand changement qui intervient aujourd'hui pour effectivement modifier les pratiques et faire que les paysages qui sont produits correspondent à des attentes en matière de loisirs, de patrimoine, de mémoire, de qualité en général et de souci du bien-être ou du mieux-être individuel et collectif. Donc désormais, les agriculteurs sont concernés. Alors quels agriculteurs? C'est toute la question. Il y a différentes qualités, différentes natures d'agriculteurs entre le nord et le sud de l'Europe. Prenons par exemple des cas particuliers comme les agriculteurs qui travaillent dans des sites patrimonialisés, des sites conservés. Par exemple, les viticulteurs qui travaillent dans les vignobles de Saint-Émilion, à côté de Bordeaux. Donc un site qui a été classé au patrimoine de l'humanité il y a 8 ans. Donc là, il s'agit de viticulteurs pour lesquels la combinaison entre la qualité du site, la notoriété du site et la qualité du vin est extrêmement importante pour garder leur marché, notamment à l'exportation. Donc c'est une identité à la fois paysagère et de qualité gustative commerciale des vins. Dans un autre registre que vous connaissez, ici il s'agit d'agriculteurs, de céréaliculteurs qui dépendent de la politique agricole commune, mais pour lesquels, ici, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle doivent être protégés, permettre la circulation et non pas être labourés pour être transformés en parcelles agricoles. Donc il y a là des contraintes et ces contraintes peuvent parfois être ressenties difficilement par les agriculteurs. Voilà un autre site dans lequel les chemins sont très importants. Ce sont les chemins de transhumance, comme en Espagne. Et le site que vous voyez ici, dans les Cévennes, dans le sud de la France, est en cours de classement, en particulier pour les valeurs pastorales, d'élevage pastoral méditerranéen, qu'il conserve et pour lesquels la qualité des produits, en particulier des fromages, le fromage de Roquefort, que vous devez connaître, est extrêmement important. Là aussi, vous avez une convergence d'intérêts entre la conservation et la qualification et la caractérisation des paysages et la nature des produits agricoles qui en sont issus. Tout ce contexte juridique est ici plutôt favorable à l'activité économique, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, et donc la question est comment réagissent en général les acteurs agricoles. Lorsqu'il y a trop de contraintes, lorsqu'il y a trop de difficultés pour rester concurrentiel, quand il y a une contrainte pour garder des éléments du paysage, comme les arbres, comme les haies, quand la quantité de pesticides doit être diminuée, les rendements peuvent aussi diminuer,
et la compensation par la politique agricole européenne n'est pas nécessairement suffisante. Les céréaliculteurs, en particulier, notamment dans les régions urbaines où les contraintes sont très importantes, vont envisager, pas tous, mais les grands céréaliculteurs, de partir ou d'abandonner. S'ils sont jeunes, ils n'abandonnent pas. Ils peuvent vendre leurs fermes et partir dans des pays où il n'y a pas de contraintes, beaucoup moins de contraintes, par exemple en Argentine ou en Ukraine. Donc, première possibilité pour fuir les contraintes de production, contraintes réglementaires, contraintes environnementales, ces entrepreneurs vont partir d'Europe. C'est une première solution. Deuxième solution, les agriculteurs peuvent, comme les viticulteurs que nous avons vus tout à l'heure, s'adapter sur place et mettre en place des politiques de qualité de produits, de qualité de paysage. Ils peuvent diversifier, on va le voir, leur production, multiplier les sources de revenus agricoles. Ils peuvent également devenir pluriactifs, c'est-à-dire faire plusieurs métiers, en particulier avec leur famille, avec leur épouse. Donc trouver des raisons de s'adapter à des contextes contraignants. Troisième solution, ils peuvent abandonner. C'est la solution la plus courante. Quand ils sont vieux, ils vendent leur ferme et quelquefois cette ferme ne peut ne pas trouver preneur et le boisement s'installe, la forêt s'installe, en particulier dans les montagnes. Ils peuvent aussi la vendre à d'autres agriculteurs qui vont s'agrandir, agrandir leur surface et donc trouver des revenus plus importants. Troisième solution. Et enfin, dernière solution qui, à mon avis, va se développer de plus en plus dans les régions urbaines, c'est que si les agriculteurs ne veulent pas rester, ne veulent pas s'adapter, ne veulent pas se diversifier, eh bien, ils vont être remplacés par des nouveaux producteurs de paysages, c'est-à-dire des professionnels qui vont être payés par les services publics pour entretenir non seulement les routes, les chemins, mais également le paysage lui-même, car il y a une demande sociale extrêmement forte de conserver ces espaces qui sont des espaces de récréation, de loisirs, mais aussi, on le verra, de structuration de la ville, d'organisation de la région urbaine. Pour répondre à ces questions, je vais d'abord regarder quelles sont les perceptions des perceptions sociales des paysages. On a beaucoup évoqué ces notions et je vais faire appel en fait à des notions assez simples qui distinguent en fait trois types de regards qui sont portés sur les paysages en général, mais les paysages ruraux en particulier. Les premiers, c'est ce que j'appelle les regards formés. Et les regards formés sont les regards qui sont formés à la beauté et à l'art des paysages. Ce sont des regards qui sont d'abord des regards d'esthètes, qui recherchent l'émotion, qui recherchent le plaisir dans le regard. Beaucoup de touristes sont formés ainsi et parcourent le monde et les sites touristiques pour cela. Ces regards sont exogènes au territoire. Ces regards sont extérieurs aux espaces visités. Ces regards ne connaissent pas le regard des producteurs de ces paysages. C'est le deuxième type de regard. Le deuxième type de regard, ce sont les regards initiés, ceux qui savent localement les règles de production des paysages, de production des lieux, d'organisation de la société, de ces lieux de fête, de ces lieux de regroupement, de ces lieux publics et ces lieux privés. Ces regards, ils sont intérieurs au terroir, intérieurs au territoire. Je les appelle des regards endogènes, et ce sont ceux en particulier des agriculteurs, qui ont, eux, un contact direct, permanent, régulier avec les champs, avec les troupeaux en particulier, avec les jardins.
Puis il y a un troisième type de regard, qui sont les regards informés, les regards documentés, les regards savants, donc en particulier de beaucoup de personnes ici, des scientifiques qui savent, qui expliquent, qui comprennent, qui interprètent ce qui est vu à partir des signes qui sont interprétés et décodés. Voilà les trois regards qui se posent sur les paysages et qui sont souvent en contradiction et qui sont souvent l'objet de controverses, de discussions. Je vais d'abord aborder le regard du touriste à la campagne et ensuite je vais aborder le regard de l'agriculteur dans le contexte en particulier français. Le regard du touriste, et je vais donner des exemples après, c'est un regard formé et informé par les guides touristiques. C'est celui qui recherche des paysages pittoresques, qui va rechercher l'érudition historique sur l'architecture, sur les jardins, sur l'urbanisme, sur les milieux naturels. Il va essayer de comprendre ce qu'il voit, mais en même temps, en cherchant le plaisir du regard, le plaisir du spectacle. Et puis il y a un deuxième type de touriste qui n'est pas nécessairement informé, qui n'est pas nécessairement à la quête du plaisir de voir, ce sont les sportifs, ce sont les cyclistes, ce sont les piétons, ce sont les cavaliers qui ont un contact du corps avec la terre, avec le territoire. Ils le pratiquent, ils en ont une expérience vécue. J'appelle ces paysages des paysages incorporés, c'est-à-dire des paysages où la marche, en particulier, où le sport sur le canyoning, par exemple, donne un contact avec l'eau et avec la rivière. Donc, ce sont des paysages que l'on vit par le corps, beaucoup moins que par le regard. Et puis les touristes ont une dernière catégorie, qui est celle de la recherche des loisirs culturels, qui est la recherche des spectacles, des festivals, des concerts de musique, des théâtres, des expositions. Autant de lieux qui vont parsemer d'ailleurs les villages, les villes, les campagnes, et qui sont des lieux d'attraction dans lesquels le plaisir est le plaisir du spectacle, de la musique, de l'exposition. Donc le touriste est une catégorie tout à fait particulière d'acteurs aujourd'hui de la transformation des paysages, puisqu'il demande un certain nombre de types d'accès ou de spectacles ou de scènes ou d'événements. Des images. Voilà un haut lieu de... Vous êtes ici dans la Bretagne, un pays qui ressemble beaucoup à la Galicie. C'est ici un golf. Alors c'est une activité extrêmement intense, comme vous savez. Et ici, vous avez un exemple de paysage que les golfeurs vivent par le corps, c'est-à-dire par la marche et par la frappe régulière de la balle. Ici, pas d'émotion esthétique, pas d'érudition particulière, simplement le plaisir du sport individuel et aussi social, la réunion de personnes qui se ressemblent. Donc vous avez ici une sociabilité qui s'installe, je dirais, par l'intermédiaire de ces paysages incorporés. Pas très loin de ce même lieu, qui est dans la Bretagne du Sud, voici un paysage patrimonial qui, il y a 30 ans, n'existait pas, n'était pas un paysage, n'était pas un patrimoine, n'était simplement un marécage oublié. Il a été révélé par les travaux des scientifiques, il a été racheté par la puissance publique, et aujourd'hui, c'est un haut lieu écologique. Vous ne voyez pas, mais moi, je vois ici, par exemple, un héron en train d'attendre le poisson. Là. Sur ce lieu marécageux, il y a à la fois des regards informés, ceux des scientifiques, ceux des historiens qui disent « Ce lieu-là, c'était un marais salant au temps des ducs de Bretagne. » Personne ne le sait. Regard informé. Regard formé, la beauté de ce paysage le matin et le soir dans la brume. Paysage initié, le pêcheur, car on peut pêcher. Le chasseur, car il y a du gibier. Ces trois regards correspondent à trois
trois pratiques très différentes dans ce lieu patrimonial, qui est aujourd'hui un lieu public accessible à tous. Paysage patrimonial, classique, le château ici, château classé, château privé. Le regard, touriste, qui ne rend qu'exceptionnellement, ou le regard de la famille qui vit, qui raconte que ce château est vide, qu'en fait, il habite dans un deuxième château qui est juste derrière. Paysage d'identité régionale qui marque la présence de grandes familles dans cette passerelle au sud de la ville de Paris. Paysage pittoresque, rural, paysage esthétique, image fabriquée par une femme qui l'a dit, une esthète, quelqu'un qui attend des paysages, des émotions et un sentiment qui n'a rien à voir avec le monde, ni avec la structure foncière, ni avec l'histoire, simplement un instant d'émotion fixé sur la pellicule. Un contraste de forme, de couleur. Et on est bien en Toscane. L'identité n'est pas contestable. Voilà un autre paysage sur lequel la lecture est plus difficile. Le géographe, l'agronome, l'historien racontent l'abandon des terrasses dans la région de Nice. Et aujourd'hui, la difficulté à imaginer de manière utopique une reconquête des terrasses, comme le voudraient les pouvoirs publics français, mais qui n'y parviennent pas depuis 20 ans. Refaire des agricultures sur ces terrasses qui ne sont plus techniquement accessibles. En même temps, histoire à raconter, histoire locale des derniers initiés qui ont cultivé ces terrasses qui sont occupés par des oliviers. Voilà les regards du touriste, les regards des touristes et de tous ceux qui sont concernés localement par les paysages. Deuxièmement, les regards de l'agriculteur. C'est un regard initié, c'est ce que j'appelle un regard qui engendre des paysages vernaculaires, c'est-à-dire des paysages du lieu. Des paysages qui n'existent que dans cet endroit, parce qu'ils sont informés par des savoir-faire hérités et par des personnes qui sont du lieu. Ces paysages sont souvent inconnus, car ils sont peu communiqués. Et aujourd'hui, leur avenir est en jeu. En particulier, quand les activités économiques cessent de les animer, cesse de les produire, comme dans les terrasses. L'État français, depuis pratiquement une vingtaine d'années, pas tout à fait, a mis en place une campagne d'observatoire photographique qui consiste non pas à simplement documenter les lieux sensibles, les lieux importants, les lieux à risque, mais à esthétiser ces espaces, c'est-à-dire à les amener à une prise de conscience pour le spectateur de ces lieux. Je vais prendre des exemples. Voici les paysages de la Corse. Ces paysages ne sont pas particulièrement esthétisés. C'est un document qui révèle simplement l'histoire locale, l'abandon et aujourd'hui pratiquement l'absence de vie sociale limité au retour chaque été de ceux qui vivent sur le continent et qui habitent là, vous voyez l'église ici et les anciennes terrasses. Paysage d'abandon, paysage d'oubli, paysage qui se referme dans l'indifférence générale. Très différent. Voici une image de prairie dans l'Ardèche, c'est-à-dire au sud de la France.
Cette photo a été prise par un photographe professionnel qui s'appelle Raymond Sauvert et qui a été chargé, avec d'autres, de fabriquer des représentations de ces campagnes qui, ici, sont, en, sont très menacées. Les agriculteurs qui fauchent ces prairies n'auront pas de successeurs et les prairies disparaîtront. Qu'est-ce que fait l'État avec cette photo? Elle esthétise, elle initie le processus de patrimonialisation, c'est-à-dire de constitution d'un bien commun à tous ceux qui observent ces lieux, en éprouvent les qualités esthétiques et se demandent pourquoi ne pas les conserver et avec quels moyens. S'il n'y a pas d'action publique, ces terrasses seront comme les terrasses de Corse, elles seront très vite oubliées et reconquises par la végétation. Voilà une autre façon encore d'esthétiser, mais dans un contexte très différent. Ici, vous êtes dans les vignobles de Côte du Rhône, dans le sud également, dans la vallée du Rhône. Et ici, l'artiste photographe a mis en évidence, dans ce cadrage particulier, le travail. Le travail des terrasses, le travail des maintiens de la terre, le travail de tuteurage. Donc un travail manuel, artisanal, qui est associé à la qualité du vin. Regard formé, esthétisant, regard d'initié pour expliquer comment ce paysage est matériellement possible. L'action publique peut encore aller plus loin. Elle peut aider à reconquérir des espaces qui ont été abandonnés ou qui sont propices à la culture de la vigne. Ici, à Cassis, pas très loin de Marseille, on a refait des nouvelles terrasses, mais de manière mécanique, pas de manière traditionnelle. Et en même temps, cette banalisation relative, elle est compensée dans la photo par ce site majestueux qui fait presque oublier la banalité de la terrasse. Chez nos amis suisses, le même souci paysagiste existe. Vous savez que la Suisse a des politiques de paysage extrêmement efficaces et extrêmement dynamiques, en particulier pour créer les conditions d'admiration, de perception des paysages, ici à Lausanne, sur le bord, cette ferme, qui est une ferme publique, qui est la ferme de la ville, permet par ces pistes que vous voyez, de non seulement de faire circuler les engins agricoles, mais à toute la population qui le souhaite, d'entrer dans ce parc viticole et d'admirer les paysages sur le lac. Regard initié, le viticulteur, regard informé, ce qui explique comment toutes ces terrasses peuvent être techniquement maintenues, et regard formé à la qualité de ces paysages et aux impressions du bord de lac. En revanche, ici, ce paysage n'existe pratiquement pour personne. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de visiteurs. Ce paysage de terrasses dans la région de Toulon n'existe que parce que le marché de la fleur est possible grâce à un aéroport qui se trouve à 1 km et qui permet d'envoyer ses fleurs dans toute l'Europe chaque jour, à la période de floraison. Donc ici nous n'avons pas affaire à un territoire, mais ce qu'on appelle en français un terroir, un lieu essentiellement voué à l'agriculture et pas autre chose. Un terroir, une sorte de lieu spécialisé dans l'agriculture. La dernière partie donc, de mon exposé va être consacrée maintenant à la manière dont les acteurs ruraux vont réagir à cette évolution des paysages et aux actions publiques de paysages. Vous allez voir que les acteurs ruraux et urbains n'ont pas attendu la Convention européenne pour enclencher
déclencher des processus de transformation de l'architecture, des organisations agraires, et etc. Premier point, que se passe-t-il lorsqu'il y a abandon de l'activité agricole et en même temps constitution d'un bien commun, voire d'un bien public, par les nouveaux habitants qui sont des citadins et qui vont déclencher de nouveaux usages, de nouvelles relations à cette campagne qu'ils viennent habiter et qui ne sont pas des agriculteurs. Voilà un paysage au nord de Nice, en France, où vous devinez mal, mais je vois mieux que vous, des restes de terrasses abandonnées. Il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus d'arboriculteurs dans cette région. Il y a simplement un village totalement patrimonialisé, totalement habité, restauré par des résidents secondaires. Et ici, il y a place pour de multiples regards, ceux du touriste, ceux des initiés qui se résident et ceux qui sont informés en particulier sur la qualité de cette architecture qui est aujourd'hui sous la surveillance des inspecteurs des sites et des architectes de l'État. Donc ces paysages, dans un contexte agricole d'abandon, sont extrêmement vivaces. Les initiatives peuvent être privées. L'État n'est pas nécessairement derrière chaque acteur, chaque propriétaire. Vous avez ici deux exemples d'une transformation d'une ferme, ici en résidence secondaire, dans la région de la Normandie, dans l'ouest de la France. Cette cour où il y a des rosiers et des fleurs était la cour de la ferme avec des poules et des canards. Et ici, la chaumière a été restaurée, donc conformément aux indications des architectes, des inspecteurs des sites en particulier, qui donnent l'autorisation des travaux. Ça veut dire que toutes les restaurations sont sous le regard, le contrôle, le conseil des pouvoirs publics. Cette chaumière a été restaurée en 1960, c'est-à-dire il y a presque 50 ans, bien avant toutes les lois sur le paysage. Ici, vous êtes à côté de Bologne. Cette ferme a été convertie en accueil des touristes, mais des touristes tout à fait particuliers. Cette grande exploitation de 100 hectares consacrée au maïs accueille également des chasseurs. Des chasseurs de Bologne qui viennent louer un temps de chasse autour de la ferme et qui viennent y coucher et s'y restaurer le soir. C'est un exemple de diversification des revenus. Le bâtiment est parfaitement restauré, parfaitement en état, il est d'une très grande qualité architecturale. Un autre élément de constitution de biens communs locaux concerne ce que j'appelle le petit patrimoine rural. Ce petit patrimoine peut être par exemple une grange ici dans les Alpes, à côté dans le nord de l'Italie, à la Villa Vigoni. Ici, ce domaine privé a restauré, les propriétaires ont restauré cette grange qui aujourd'hui est un témoignage de l'activité agricole qui a disparu ici. Ici, c'est encore plus curieux. Ici, le patrimoine rural est inventé. Il n'existait pas. Et en lieu et place d'un lavoir où les femmes venaient il y a 50 ans, on a inventé un néo-lavoir. Quelque chose que personne n'a jamais vu, mais qui ressemble à ce qui pourrait avoir existé. Donc ça, c'est une invention de patrimoine. Et seuls les initiés savent que c'est faux.
mais tous les nouveaux habitants sont persuadés que le lavoir a toujours été ainsi et qu'il est restauré grâce au pouvoir public. Voilà des patrimoines ruraux qui attendent les restaurations. Ici, dans le sud de la France, à Toulon, un puits et puis une grange. Ici, c'est une extension à la Tunisie, dans une île abandonnée par l'agriculture. Des citernes d'eau attendent, là aussi, des restaurations dans un paysage d'abandon total. Donc ces phénomènes de patrimonialisation sont très courants en Europe, mais commencent à se déclencher maintenant dans l'Afrique du Nord. Ici, dans les régions des Pouilles, avec les Troulis, qui sont ces édifices, ici en ruines, mais qui sont parfois restaurés, et qui sont ici au milieu des champs de culture maraîchère, à côté de la ville de Bari. Donc patrimonialisation en attente, mise en mémoire, caractérisation d'un paysage littoral. Je résume avec cet exemple. Cette mise en patrimoine est une des façons d'enclencher, de concrétiser la mise en paysage. Je prends un exemple ici de création d'un bien commun. Toujours en Bretagne, il y a 30 ans, vous avez ici un village de pêcheurs. Il est totalement abandonné. Il est privé, personne ne le réclame, c'est une ruine. 1998, le même village de pêcheurs, les murs ont été consolidés, le toit n'a pas été refait. Aujourd'hui, il y a 3 boutiques d'artisanat, un restaurant, et donc c'est devenu un lieu touristique. Donc ce lieu patrimonial a été l'occasion de déclencher un phénomène de marché autour d'un lieu caractérisé, le village de pêcheurs, les pêcheurs ayant disparu. Patrimonialisation aussi des arbres. Ici, des oliviers dans le sud de la France. C'est encore plus net dans la région de Bari, justement dans les Pouilles en Italie. Ce lieu est un parc public communal. C'est là qu'ont lieu les fêtes de toute la commune, donc l'été en particulier. Donc ce patrimoine caractérise, d'oliviers, caractérise le bien commun de cette commune. Les communes d'à côté n'ayant pas ce parc public particulier. Donc ce parc identifie finalement un projet communal. Et bien sûr, vous avez compris que ces paysages ne sont pas dépendants de la politique agricole commune. Ils ne dépendent plus que de la volonté des pouvoirs publics et des associations de le faire vivre. Patrimonialiser le paysage, c'est aussi patrimonialiser donc des arbres. Ici, patrimonialiser des pommiers dans des sites classés à côté de Versailles. Ces arbres échappent désormais à l'activité agricole et sont sous la protection de l'État. Ils caractérisent cette plaine en rappelant l'époque où l'on faisait des boissons avec les pommes et qui étaient destinées aux ouvriers agricoles. Donc, en quelque sorte, c'est un arbre mémoire. Ici, c'est encore plus caractéristique, ce sont des pommiers aussi, mais dans la Normandie. Ces pommiers, autrefois, étaient les arbres qui produisaient les pommes pour faire la boisson qu'on appelle en français le cidre. Or, aujourd'hui, on produit énormément de cidre, mais plus du tout avec ces arbres-là. Les arbres qui produisent le cidre sont des petits arbres qui ne dépassent pas 2 mètres, et qui sont en haies fruitières, les unes à côté des autres, et qui sont taillées, contrairement à ces arbres, qui sont ici des formes libres. Donc aujourd'hui, le pommier en fleurs, en Normandie, est un motif paysager, comme les cerisiers en fleurs,
à Kyoto. Les touristes ne viennent qu'entre le 15 avril et le 1er mai. Donc là, l'arbre agricole s'est transformé en un arbre touristique. Bien sûr, il ne produit plus, il produit toujours des pommes, mais personne ne les consomme. L'arbre a été désagricolisé, si on peut traduire ça en espagnol. On a enlevé l'agriculture et il reste la structure, la forme, le signe. Avant-dernier thème, les activités agricoles près des villes donc vont être une occasion de diversifier les activités. Les produits. Ici, avec l'équitation, les agriculteurs offrent de nouveaux services en fauchant leurs prairies très tard. Donc là, vous avez une association entre agriculture et loisirs, ici à Strasbourg. Dans des sites protégés de l'urbanisation, agriculture et loisirs vont ensemble, à condition de maintenir un accès dans ces grandes surfaces céréalières qui sont là. Implantation dans la région urbaine de jardinage, dans des lieux publics, ici dans la ville d'Angers, en l'ouest de la France, les habitants de cette barre d'immeubles viennent jardiner ici, ou ici, à côté de Florence, une activité de maraîchère, qui est maintenu dans un site protégé. Donc la protection des sites est un point extrêmement important pour rendre possible ces activités jardinières ou agricoles. Cueillette directe des fruits et des légumes, il s'agit là d'un nouveau concept qui se développe, qui est d'ailleurs ancien, qui est l'agriculture de proximité. Avoir près de chez soi la possibilité de cueillir des produits frais. Légumes, ici des haricots, et ici des pommes. Donc ici, vous voyez, le client prend une brouette et va faire sa cueillette de pommes dans le verger. Et il pèse à la sortie. C'est beaucoup plus passionnant qu'au supermarché. Demande également sur la qualité des produits agricoles, ici avec la question des organismes génétiquement modifiés, et le développement de fournitures directes aux clients. Ici, vous voyez AMAP, c'est l'agriculture, donc pour l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire des formes anciennes d'agriculture qui persistent parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a il y a une clientèle pour acheter des produits, pour prendre des contrats avec des producteurs maraîchers ou fruitiers. C'est très développé dans l'Allemagne, mais également en France depuis une dizaine d'années. Agriculture et agriculteurs qui ici sont utilisés dans les lieux d'urbaine, dans la planification urbaine pour gérer des lieux, pour occuper des lieux qui sont à risque. Ici, les serres dans la région de Toulon occupent un terrain inondable. Donc pas de construction, les constructions sont sur le haut de la pente. L'agriculture est dans la dépression inondable. Donc ici, l'agriculture prend une autre dimension, et l'agriculteur aussi, il occupe des terrains, il a une activité, je vais dire, plutôt multifonctionnelle. Il n'y a pas que le produit, il y a ici la gestion des risques liés à l'inondation. Même chose ici dans un site que vous connaissez, qui est le parc agricole de Baix-Llobrega à Barcelone, où il y a à la fois donc des producteurs, un marché, un aéroport, une protection donc d'un site contre les risques d'inondation, et en même temps l'apparition de nouvelles activités liées aux loisirs, vous voyez ici, de l'équitation dans ce parc. Enfin, je vais m'arrêter bientôt,
l'agriculture et les agriculteurs sont conviés dans la ville, près de la ville, avec ici des activités d'élevage et les produits qui vont avec. Ici, vous êtes à Amsterdam, et dans toute cette périphérie de petites capitales, puisque Amsterdam a 700 000 habitants, toute l'activité agricole est conservée à proximité de la ville, dans des lieux qui sont des lieux de loisirs et de tourisme. La ville est compacte, et en même temps, les lieux ouverts, les lieux non construits, sont gérés par les agriculteurs avec l'accord des pouvoirs publics urbains. Pour terminer, donc, créer de nouveaux paysages, c'est aussi une façon de gérer la relation avec la ville et de créer ici des nouveaux bâtiments de fermes pour la vente des produits dans l'ouest de Paris, donc des bâtiments totalement nouveaux. En fait, c'est le patrimoine architectural de demain qui est mis en place. Cette ferme a 200 hectares de céréales et 300 vaches laitières dont le lait alimente Paris directement. L'étable est juste ici. Et ici, les clients viennent acheter des produits qui viennent de la ferme ou qui ne viennent d'ailleurs pas de la ferme. Une autre idée, c'est de recréer des paysages qui ont plus ou moins existé. Dans les régions urbaines, ici dans la Roure, vous avez un paysage agricole avec un authentique agriculteur qui a été mis en place en tant que ferme pédagogique. Ferme pédagogique, donc avec des élevages, ouverture au public naturellement, dans un secteur qui a été abandonné par l'industrie. Vous voyez encore les cheminées des usines qui sont ici. En bas, création d'un très grand parc à Paris, au nord de Paris, mais ici sans agriculteurs, mais qui reconstitue le cadre agricole, le cadre du bocage, mais sans agriculteurs. 200 hectares de parc à la manière d'une campagne française, normande en particulier. Donc c'est une imitation, une reproduction d'une campagne. Avant ce parc, la campagne était une plaine de cultures de céréales et de betteraves. Enfin, les paysages peuvent aussi changer à travers directement la réglementation, ici en Suisse, avec l'obligation pour les agriculteurs suisses dans la région de Genève d'introduire des parcelles, donc avec une rémunération publique, des parcelles qui vont permettre la diversification à la fois floristique et surtout faunistique, entomologique et autres. Donc ici, vous avez des paysages qui sont des paysages de durabilité à travers une réglementation qui produit en fait des lieux biologiquement, écologiquement intéressant pour la faune et la flore locale. Une autre façon aussi d'imaginer des actions publiques, c'est de recréer, de reconquérir des lieux abandonnés. Ici, vous avez, dans la région d'Angers, des coteaux qui ont été reconquis, un peu comme tout à l'heure, mais directement avec un financement public pour aider les viticulteurs à réinstaller sur ces pentes abandonnées. Enfin, derniers éléments qui montrent la relation entre ces activités littorales ou campagnardes, c'est la nécessité toujours affirmée de permettre l'accès. La mise en espace public est tout à fait fondamentale dans les politiques de paysage. Ici, vous êtes en Bretagne et le sentier que vous voyez vient juste d'être créé et il permet de faire, pour tout le monde, de circuler sur le littoral sans être gêné par des appropriations privées. Quelquefois, il y a des conflits. Ici, ça pourrait être avec un agriculteur qui ne veut pas laisser passer le sentier, mais ici, c'est avec un ostréiculteur qui dit « je ne veux pas que le sentier passe devant mon entreprise ». Et la négociation de l'État a été de faire sur 100 mètres un sentier qui a 50 cm de large entre deux propriétés. Et ainsi, la continuité du sentier public
est assuré. Donc, quelquefois, il faut beaucoup d'obstination pour imposer l'accès à l'espace littoral, à l'espace rural. Quelquefois, dans les pays scandinaves en particulier, ou dans la loi anglaise, c'est une obligation légale que de pouvoir entrer dans les prairies, de pouvoir entrer dans les campagnes. Ce n'est pas le cas en France et ce n'est pas le cas en général dans les régions de l'Europe du Sud. Donc la création des sentiers, c'est très symbolique de la mise en espace public de ces régions touristiques, devenues touristiques. Encore mieux, et ça sera une des dernières images, si mes souvenirs sont exacts. Oui. Dans cette région de Bretagne, le dernier marais salant s'est éteint il y a 50 ans. Les pouvoirs publics ont, pendant 20 ans, imaginé de refaire un marais salant pour l'intérêt touristique. Ils ont tellement réfléchi qu'ils ont fini par le faire. Donc ici, vous avez créé en 2003 un marais salant de 3 hectares qui est une invention des pouvoirs publics et qui est gérée par un paludier, dont vous voyez les outils ici, qui a refait des gestes abandonnés, oubliés depuis 50 ans. Alors ce paludier, il est à la fois apiculteur, il a des abeilles, il cultive le miel, et il est ornithologue, il connaît les oiseaux. Donc il raconte à la fois les insectes, les oiseaux, il vend le sel biologique, bien entendu, et ainsi un pôle d'attraction touristique a été créé par la volonté des pouvoirs publics. La première année, ça a été l'année de la canicule, l'année de la grande chaleur. Il a produit plus de 3 tonnes de sel. L'année dernière, il en a produit une demi-tonne. Voilà, et donc je terminerai sur un point important, mais que je ne peux pas développer. Donc, quels sont les outils pour concevoir ces nouveaux paysages et la place des agriculteurs dans ces nouveaux paysages ? Eh bien, c'est ce que j'appelle la gouvernance des projets de paysage, c'est-à-dire l'association des concepteurs, des élus, des techniciens, des agriculteurs, comme par exemple ici dans le schéma de cohérence territoriale de la ville de Montpellier, qui a été fabriqué il y a 4 ans, et dans lequel vous voyez donc en rouge, ici, ou en blanc, ici, la localisation de toutes les urbanisations prévues dans les 20 prochaines années. Donc la maîtrise de l'urbanisation d'un côté, et en vert, les espaces viticoles, les espaces boisés, qui désormais font partie de la ville, et les agriculteurs sont associés à cette gestion de régions urbaines, avec ici un parc viticole qui est en cours de création, et ici une agriculture de protection contre les inondations, cette zone étant inconstructible, une agriculture conventionnée. Donc c'est une nouvelle forme de relation entre agriculteurs et villes pour essentiellement produire des services vers les citadins. Donc, je vais terminer sur deux points importants en guise de conclusion. Donc, si vous voulez, l'enjeu de ces politiques paysagères est à la fois le maintien et la diversification des agricultures, leur association avec la culture urbaine, avec des cibles différentes, donc des habitants, des résidents secondaires, des agriculteurs, des touristes, dont je vous ai montré que les logiques étaient différentes. Pour gérer ces différences, ces conflits souvent, c'est au débat local, démocratique, donc de donner une légitimité à la décision publique. Et c'est dans le cadre de la gouvernance de ces projets urbains et de ces projets de paysage
et de ces projets de territoire que réside, à mon avis, la solution locale, donc pour répondre à ces enjeux. Je vous remercie de votre attention.